Coucou, j'espère que vous allez bien. La recette que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est très simple. C'est soupe de poisson avec de la sauce feuille de baobab accompagnée du cabato de maïs blanc. La recette est très simple. Si vous êtes nouvelle sur ma page, asseyez-vous, abonnez-vous, partagez pour ne pas manquer de nouvelles recettes. Pour les ingrédients de la soupe, c'est très simple. Des tomates, des oignons, du poivron, de la tomate purée, un peu d'huile et du bouillon. Il faut regarder la vidéo jusqu'à la fin. La recette est très simple et délicieuse. N'oubliez pas de liker et partager. Maintenant, on va aller à la préparation de la sauce feuille de baobab sec. J'ai réservé un peu de la sauce que j'ai mis dans la marmite. J'ai rajouté l'eau. Je rajoute du sous-marin, du bouillon, c'est facultatif. Le sel à votre goût. Et voici la soupe que je viens de mettre le sous-marin aussi, c'est facultatif. Maintenant, il faut laisser la sauce mijoter quelques minutes avant de mettre la peau de baobab sec. Tega ou coca si vous voulez. Maintenant, je vais rajouter la bicarbonate, ça remplace la potasse. On va aller à la préparation du cabato. Il faut délayer la farine avec l'eau, porter à l'ébullition. Après quelques minutes, il faut enlever un peu de la bouillie et mettre la farine, remuer au fur et à mesure jusqu'à obtenir une pâte homogène, très lisse, pas très lourde. Et voici la texture du cabato. Faut bien travailler juste quelques minutes avant de servir. La recette est très simple et délicieuse. Si vous êtes nouvelle sur ma page, partagez, abonnez-vous. Rendez-vous dans une autre vidéo. Bye!